Allez, salut, salut, voilà, c'est toujours moi de Zamos Pita sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, comme vous l'avez constaté, voilà, la bourse de Russie a été lancée et j'ai déjà fait le premier enregistrement. Voilà, donc vous allez voir ça, vous allez voir le lien en description ou bien en commentaire. Donc, vous allez là-bas, vous cliquez et vous allez sur le site pour postuler à la bourse de Russie. Voilà, comme je vous l'avais dit, l'interface a vraiment changé, donc ce n'est plus... l'ancienne, donc soyez un peu plus attentif à ce qu'on va faire. Voilà, et je vous redis encore, pour ceux qui n'arrivent pas du tout à postuler, voilà, vous pouvez poser les questions via WhatsApp au numéro qui est là, ou bien si vous voulez qu'on fasse le remplissage pour vous, que ce soit la bourse de Russie ou bien la bourse de Turquie, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à remplir, à faire le deuxième enregistrement pour la bourse de Russie. Voilà, donc vous allez suivre pour que ça soit un peu plus vite. Donc comme je vous l'avais dit, voilà, ici c'est l'interface et j'ai déjà fait le premier enregistrement. D'abord, pour pouvoir postuler à la bourse de Russie, il faut d'abord s'enregistrer. Donc regardez en description ou bien en commentaire, le lien pour s'enregistrer est là-bas. Voilà, vous faites ça avant d'arriver ici. Donc comme moi je me suis déjà enregistré, je viens ici dans personal area, je viens là, voilà, je viens là, voici ce que ça donne. Ça c'est mon secteur pour pouvoir, c'est mon compte, voilà, c'est mon compte, je me suis enregistré. Ça c'était direct, comme c'est direct je vais me retourner et puis vous montrer comment est-ce que on fait pour rentrer ici. Donc d'abord, quand vous allez avoir le site, c'est comme ça que ça se présente. Voilà, quand vous allez finir votre enregistrement, voici comment ça se présente. Donc, pour pouvoir maintenant continuer, vous venez faire un login ou bien vous venez vous inscrire ici. Vous voyez, comme je me suis déjà inscrit, mon mot de passe est là et mon mot de passe est là et mon email aussi est déjà enregistré. Voilà, ça c'est moi qui ai fait pour que l'application me reconnaisse. Donc, je rentre dans, tant que j'entre sur ma page, bon, je vais sur mon compte. Voilà, ça c'est mon compte et là comme vous le voyez ici, il y a favorite, il y a choice, attends je vais mettre ça, bon c'est en anglais, il y a choice et puis il y a calendar. Ici c'est mon profil, my application screen test pour le service and facilities. Donc comprenez, donc ici pour le choix je vérifie. N'oubliez pas, vous devez faire le choix de 6 universités. Voilà, vous devez faire le choix de 6 universités. Alors, ici, nous allons voir d'abord si j'ai des choix ici. Oh, c'est ça, je clique sur choix. Ok, quand je clique sur choix, vous voyez, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, je n'ai pas encore fait de choix. Alors, on va commencer un peu plus rapidement. Donc, ici, si je viens ici, par exemple, Education Russia, Education Organization, Russian Language, Education Programs. Choice of profession, donc education programs. Ici, vous pouvez partir de là pour faire le choix des universités. Voilà, donc est-ce qu'il est là pour faire le choix des universités? Si par exemple vous fixez sur des universités que vous voulez, vous pouvez venir juste ici. Vous rentrez seulement, vous mettez seulement votre le nom de ce que vous voulez faire. Soit c'est mathématiques, genre la matière mathématiques. Physique ou bien littérature ou bien ce que vous voulez, voilà, histoire, bien géographie. Quand vous allez mettre ça ici, quand vous allez mettre ça là, ils vont vous proposer des universités, par exemple ce qui est là comme ça, vous voyez, ils vont vous proposer des universités qui ont en leur sein ces matières que vous voulez. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc moi par exemple je vais faire, bon je considère que je viens pour la licence, donc je vais choisir par exemple ici, il va mettre par exemple mathématiques. Je viens par exemple, c'est un exemple, hein. J'ai choisi de faire la licence et je viens faire les maths ici. Donc je mets ici mathématiques pour voir ce que ça donne.
Donc, je mets la mathématique et je fais ma recherche. Donc, quand ils font ma recherche, ils doivent me présenter des villes ou des universités où il y a les maths. Vous voyez, regardez un peu ici. Mathématiques, 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 mathématiques. Et c'est à vous de faire votre choix. Il y a encore devant, 25e page, 25e, 115e et tout ça. Première page, deuxième page, voilà. Donc, c'est à vous de faire le choix. Donc, vous faites votre choix. Par exemple, si vous êtes fixé sur des villes, par exemple, que vous voulez, vous venez ici pour voir un peu comment ça se passe. Et puis, si vous avez des préférences aussi, bon, ici, Kemerova ici, vous pouvez cliquer sur Kemerova ici pour voir ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, voici Kemerova, voici toutes les informations sur l'organisation ou bien l'université de Kemerova, quand ça a été créé, il y a combien de. Il y a. Combien de profs et tout ça, comment est la ville, gnagnagna, tout ça, ça qui est là. Voilà, donc si vous pouvez remarquer ici même, ici, on dit 24 000 étudiants de 19 pays dans cette université. Vous comprenez? Voilà, 24 000 étudiants de 19 pays dans cette université. Donc, vous comprenez que il y a un peu plus d'étrangers, d'étudiants étrangers là-bas. Donc, ça sera. Votre affaire, si vous voulez postuler par rapport à ça, vous voulez prendre ça aussi, voilà. Maintenant, si vous avez des problèmes de météo et tout ça, donc comme vous l'avez vu, vous pouvez cliquer sur ici même là le nom de la ville. Vous allez voir les informations aussi qui vous donnent un peu la situation. Ça a été créé en 1918. Voilà, il y a 6 universités, il y a 6 universités dans la ville. Il y a la ville compte 558 000 habitants. Et ici par exemple, vous pouvez avoir une maison ici. Je crois qu'il y a un zéro qui manque parce que 1100 par mois c'est trop peu. C'est qu'il y a un zéro qui manque. Voilà, donc ici, ça fait 11 000 par exemple. 11 000 roubles. 11 000 roubles l'année, le mois plutôt. 11 000 roubles le mois. 11 000 roubles, c'est environ. Bon, vous ajoutez son moyen de zéro, ça fait 110 000 roubles. 110 000 francs CFA, voilà. Et là-bas, en hiver, on peut atteindre les moins 15, moins 16, 8, 5. Et en été, on peut atteindre les plus 17. Voilà, donc je crois que là-bas c'est un peu bon, moins 16, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc si vous voulez choisir, ça sera la même chose partout, hein, c'est la même chose. Si vous voulez choisir cette université, vous n'avez qu'à juste cliquer ici. Bon, je vais envoyer ça un peu en bas. Vous n'avez juste qu'à cliquer ici sur choose et vous voyez ce que voilà, vous voyez ce qu'ils ont mis from choose. Donc ça veut dire que là déjà, vous avez déjà choisi une université. Je viens sur l'université du Voronezh. Ça c'est mathématique, l'autre c'est mathématique. Donc il y a une grande probabilité que qu'on vous refuse ça. Vous comprenez? Mais si ça prend, c'est bon. Bon, donc voici deuxième université. Voilà. Donc je viens là pour ne pas trop. Deuxième université. Et ici, je choisis la ville. Je viens ici. Troisième université. Vous devez choisir six universités. Voici Saint-Pétersbourg. Je prends. 4e université, je crois. 4e université. Et ici, je prends ça aussi. 5e université. Et ici aussi. Et la 6e université. Je crois que ça fait 6. Je vais compter pour voir. 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir. Il n'a pas choisi ou quoi. Ici. Ici, quand on dit quoi? You have the opportunity to choose no more than 6. Ah. Donc. Ah, on dit que j'ai déjà pris 6. Voyons voir, recomptons 1 ici, 2, 3, 4. 4. Bon, pourquoi? Ok, donc on va aller vérifier, voir vraiment si j'ai déjà choisi mes universités. Les 6 universités, donc je viens ici, choice. Voyons voir. Vous voyez que maintenant ici, il y a l'impression que j'ai déjà choisi 6 universités. Il a déjà choisi 8, les 6. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 universités dans la sélection mathématique. Vous comprenez?
Voilà, donc j'ai déjà choisi mes universités. Et je vais revenir un peu sur le processus. Voilà, je vais revenir un peu sur le processus pour voir où est-ce que j'en ai et j'en suis. Donc, je vais revenir un peu sur le processus pour voir où est-ce que j'en suis. Donc, ici, voyons voir. Je vais me retenir un peu. Donc, on vient de choisir les 6 universités. Après avoir choisi les 6 universités, qu'est-ce que vous avez fait? Pour savoir, pour vous rappeler un peu ce que vous devez faire, ce que vous devez faire, vous n'avez qu'à venir ici, un instant. Ici, voilà. Et vérifier rapidement. On dit quoi? On dit en premier, vous devez choisir les universités. En second, vous devez choisir quoi? Vous devez préparer les documents et les mettre sur l'application. Ok, donc on va maintenant essayer de mettre les documents. Voilà, on va essayer de mettre les documents. Donc je vais couper là. Voilà, je vais couper là pour ne pas que ça soit un peu plus lourd. Je vais couper là et puis voilà. Ok, donc je reviens pour la fin. Je vais faire une troisième partie tout à l'heure. Et pour le mettre sur le site, pour que vous soyez un peu. Je vais pas tout condenser parce que ça, quand c'est comme ça, c'est un peu lourd pour mon application. Donc, je vais vous envoyer ça et ainsi je vais faire rapidement pour le reste. Voilà. Donc, à tout à l'heure.